Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alpha Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur RFS Flight Simulator. Donc c'est un jeu de simulation réaliste d'aviation. Donc on va faire un petit vol pour voler et pour découvrir l'application aussi. Donc c'est un jeu payant. Je tiens à vous le signaler, mais je comprends pas parce qu'il y a un abonnement donc en plus, donc RFS Pro. Vous pouvez voler maintenant. Donc c'est l'anglais qui vous propose à vous si vous n'avez pas pris l'anglais pro. Si vous prenez l'abonnement pro, vous avez vol en temps réel, planification de vol avancée, multijoueur. Voilà. Nous avons reprendre l'activité derrière, donc c'est reprendre les vols que vous avez pas terminés. Vous avez toutes les tous les réseaux sociaux à la gauche de l'écran, donc RFS, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Donc nous avons les paramètres, donc la qualité, la résolution, la langue, le son. Le compte, les pannes, donc pour mettre différents pannes pendant le vol. Nous avons les commandes, sensibilité, saisie. Et nous avons les pilotes si vous avez pris l'abonnement pro. Donc nous avons en bas la mise à jour disponible. Donc moi je suis en 1.4.2. Voilà, donc c'est la dernière. À droite, nous avons un chat multinational. Oui, à tout. Nous avons chat allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, du coup. Et on peut voir, du coup, je sais pas si c'est les pings ou les joueurs qui sont dessus. Donc indonésien, italien, japonais, portugais, russe et turc. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc ce jeu est encore une alpha, si je puis dire. Voilà, bon, c'est pas une bêta, mais c'est une alpha. Le jeu n'est pas encore terminé à fond. Mais à l'avenir, voilà. Donc, après, niveau, si vous n'avez pas pris l'abonnement pro, moi je ne l'ai pas pris, mais vous aurez des. Vous avez en plus type Airbus, type Airbus A320 Neo, A340, A380, ATR 72 aussi, Boeing, allez, Boeing aussi. Le Max 8, le 80, le 8IF aussi, le 60, le 200F et le 200WL, le 300RE, je sais même pas qui était. Et on a aussi des avions de chasse, donc je sais pas pourquoi, des FA-18. Nous avons aussi des Cessna. Le Concorde aussi, pour ceux qui veulent se faire kiffer. Des Dash 8 aussi. Des 9, des 180, 290, McDonnell Douglas. Donc ça, après, ça reste des avions classiques, quoi. What? Bon, d'accord. Des avions classiques. Et nous avons un Tupoulel TU 154M. Donc ça, c'est le même que les... McDonnell Douglas, hein, mais sauf que il doit être plus puissant, je crois. On va regarder les caractéristiques du Concorde. Je l'avais vu, ouais. Ouais, niveau cargaison, déjà il prend plus vitesse maximale de rotation. Ouais, ok. Ouais, bon, ça rigole pas. Donc nous, pour cette vidéo, on va prendre un Airbus A320. Donc on a des skins, on peut appeler ça comme ça. Des réels ou des virtuels. Donc que des gens ont créé via un workshop virtuel, du coup. Nous avons pour je sais même pas s'il y a des Air France, ceux qui ont fait des Français dessus. Je pense que si, du coup. 320, ouais. A320 Emirates, A320 Emirates Expo. Blue, Green, Orange, ouais. Emirates V2. Ok, d'accord.
Donc nous, ouais, il y a le Néo. J'ai bien envie de prendre le Néo. PBG, what the fuck? Ouais, Retro Lanka. Samsung, super. SD Concept. Ouais, SD Original. Airline S2, super. Skylava. V2 aussi, test 1. D'accord, bon, j'ai bien envie de prendre le A320 Neo. Ça pourrait changer parce qu'il est là, du coup, mais voilà. On va prendre la 320 Neo, du coup. Donc, pour cette vidéo, on va faire de. Bah voilà, il est déjà prédéfini. Donc, de LFP. Non, on va faire gate aussi. Je sais pas si gate c'est. Non, c'est à la porte, ok. On va faire de LFPG, donc de Paris-Charles de Gaulle, comme d'habitude, mais on va pas changer la destination. On va en Angleterre. Donc, si je zoome. À Londres, donc ELG L. Donc on va faire. Attendez. Ah, ok, on peut pas choisir. Oh, c'est pas grave. Nickel. J'espère que ça a changé quelque chose. Donc, du coup, avant de faire tous les checklists, tout le démarrage plutôt, on va aller sur Sim. Bref, donc pour établir notre plan de vol. Donc du coup, vous pouvez le voir. Bon, juste appuyer, voilà, tac. Voilà, ah, c'est bon, ça m'a mis. Donc, on va partir. Donc, c'est moi, c'est EZ343. Ah, d'accord, ok, non. EZ 643 34, c'est pareil. Alors, LFPG. LF PG tac et de alors je sais plus c'est quoi EGLL je crois, voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est bien ça. Il faut un aéroport de alternative. On va mettre auto. Ouais, on va mettre auto. Départ, il est quelle heure? Il est actuellement 17h40. 48 actuellement, donc je sais pas pourquoi il nous met ça. On est bien le 18 septembre 2021, on va le mettre à 18h. On le mettait 18h05, 4 non, 3 même. 18h03, aircraft, la 320, 320, du coup, aussi on peut éditer des aircraft, donc sur le. Sur le sim, bref. Du coup, sélection, ça on n'y touche pas. Profil, ça on n'y touche pas. C'est pareil. Donc ça, du coup, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Ah, extra fuel. Kilo, ouais, bon, c'est plutôt en tonnes. Hein, 2 tonnes 5, normalement, la réglementation. Ouais. On va mettre 2 tonnes 5. Pour un A320 Neo. Voilà, passager, on va en mettre. Allez, 60... 69. Cargo, on va mettre. Voilà. 0,9. 0,8 plutôt. Ça, je sais pas ce que c'est. Dispatcher name, je sais pas. Nanana. T'es du pilote. Dispatch remark, non. Bon, ça nous met les racks et je l'ai pas pris l'abonnement. 2003, ok. Donc ça, c'est les différentes routes qu'on peut emprunter sur différentes compagnies de vol. Donc nous avons arrivé en Aleso. Oh ouais, c'est chaud quand même. Bon, on va essayer quand même. Alors, ouais, voilà. On a la météo, mais voilà. Si je fais update, voilà, faut prendre l'abonnement, je sais pas quoi. Ouais, les aéroports alternatifs, si on a un problème ou quoi. Donc on met le truc et puis ça nous met la route. Non, mais non. Les scénarios, ouais, si on veut faire des scénarios particuliers,
Et notre plan de vol, donc qui se trouve là, il sera tout en bas de l'écran. Voilà. Donc pour l'instant, nous on est à LFPO. LFPO, LFPG plutôt. Voilà. Donc du coup, ouais, ça a deux runways. Ok, d'accord. Ouais, ça va une vidéo de 30 minutes en tout. Donc je ferai un cut entre deux. On va aller de LFP. Je vais vérifier si c'est bien mes points. On va aller dans le FMC. On va vérifier si c'est bien mes points. Opal 3G. UT40 421. Ok. On va vérifier ouais, si c'est bien mes trucs. Opal, ouais, PSG, ok. Azo, ok. Donc ça c'est mon FMC en hein, retour sur l'écran principal. Donc ça c'est le FMC, le plan de vol, on va dire. Ok. Center. Ah, il y a relais route, ok, c'est un bug. C'est un bug qu'il y a eu. Pourquoi la ligne n'est pas droite? Ok. On va partir de la piste. La piste. Je sais pas. Il m'indique R machin, mais je sais pas. R08, bah c'est ça. R08, parce que la L08. Ouais, c'est la R08 est arrivée. Ah, bah je sais pas. En fait, non. Bon, ok, c'est pas grave. Alors, arrivé, je sais pas si je l'ai encore de disponible. Ah, arrivé. Piste. Ils me disent pas les pistes. Ouais, pareil, ouais, c'est bon, tout est bon. Et, on va emprunter la route. Alors la route. Alors sur mon FMC, qu'est-ce que c'est marqué? Ah ouais mais non, sur l'FMC c'est que ok. Ouais, c'est pas. Ouais, voilà. Ok. Alors bon ouais nanana. Négatif. Ah de quoi? Opal 3G, enfin impossible. 8R. Mais c'est bien 8R mon truc. Bah ouais. 26 L. Sinon. Non, même pas. Au pire, on va mettre auto. Hein, au pif. Au pire, on met L. Ok, bon, c'est pas grave. On met 8L et puis on verra ce qui se passera. Ok. Allez, c'est parti. On va faire tout la préparation moteur, on va dire. Préparation de l'avion. Alors, il est là, la 320. Bon, c'est pas notre 320 Neo, mais on s'en fout. En haut, du coup, on retourne sur l'écran principal. En haut, nous avons. On va faire un petit tour de l'ATH. En haut, nous avons le chat. Les gens qui parlent et tout. Bonjour. Je sais pas pourquoi, mais on est dans un chat français et j'en parle anglais. Pas y comprendre. En bas, nous avons toutes les indications. Donc, vous pouvez changer. Après, vous pouvez être l'heure. Si vous maintenez. Bon, latitude, nous avons latitude par rapport à la piste et par rapport à la tour de contrôle. Nous avons le fuel, l'heure de vol, combien de temps on est de vol et tout. Nous avons le vent. À droite, nous avons toutes les commandes. Donc, test alarme, nous verrons après ce que c'est. Système underground aussi. Aircraft system aussi. Les volets. Les trains d'atterrissage, les spoilers, donc je sais pas ce que c'est. J'aurais cherché ça sur un site et tout. Donc le rudder en bas droite, excusez-moi. Et le parking, donc les freins. Donc la pompe parking brake, le 1, le 2, le 3 et max. Ok, donc on reste sur parking brake. Alors, donc nous avons aussi à gauche le... comment? La je sais pas ce que c'est la le
La mallette de vitesse, on va dire ça comme ça. Bon, allez, on va préparer donc du coup le plan de vol, vous l'aurez tout au long hein, de votre de la de du vol. Donc du coup ça parle anglais, je sais pas quoi. Alors on va aller dans aircraft, on va aller dans checklist pre-flight, donc avant le vol. Alors, parking break sur 7, c'est fait. APU. On va dans système. APU sur on. Il faut rester dans ça. No smoking, on va se mettre. Ah là, c'est mieux. Alors, no smoking. Donc, pas fumer. Seatbelt, je sais pas ce que c'est. Attachez vos ceintures, je crois. Quantity of fuel, ok, donc il faut aller dans ground system, dans loud. C'est très difficile au niveau des doigts, donc faut voilà. Donc on va close la checklist, tac tac tac, on va mettre les trois. Voilà, on attend qu'ils se mettent. Donc on va voir à l'extérieur. Hein, merci. Voilà, donc à droite, nous avons tout ce... Bah, et le bus. Je suis con, oui. Seulement avant, je pilotais sur des Cessna, donc c'est pas des embarcations, ok. Donc à droite, nous avons bah, tout ce qui est bagage et tout. À gauche, nous avons le fuel, le kérosène plutôt. Avec cette belle. Ouais, je sais pas ce que c'est, une. Un tuyau de. Un tuyau, voilà. Bon, on avait dit combien en passagers? Donc, si je reviens, on avait dit 60, 69 passagers. Ça fait un peu beaucoup là. Vous devez descendre. 68, 69. Hein. Ouais, 69. En cargo, on a dit 0,8. Bon, 0,8, on va mettre 100, allez. 50. En fuel, on va mettre le max. Non, on va pas mettre le max. On va mettre. On va mettre 15 au pire. Je sais pas si on en aura assez de ça. Ah, on va mettre 2. Voilà, on va arrondir en pire. Voilà. Donc là, on est à 2 à 20 000, 20 050 kilos. Alors, non, non, non. 20 tonnes, mais c'est pas possible. Oula, non, c'est pas grave. Alors, non, plutôt 20 kilos. 20 kilos 5, plutôt. Donc, on va retourner dans checklist. On a la checklist ouais, ground. Aussi. Donc, on a left for fuselage. Donc, c'est tout ce qui est. Ah oui, aussi c'est parce qu'en fait on n'a pas la. Ah oui, c'est combien il est à l'intérieur? Ah oui. Bon. Ah, on n'a rien vu. Hein, allez. Ça, je le fais pas parce que c'est plutôt embêtant. Alors, tac. En plus, on n'a pas besoin. Donc, pre-flight, tac, quantité fuel. Check. Passagère d'où check. Cargo door check alarme. Donc c'est le contrôle des alarmes, hein, on l'a fait tout à l'heure. Donc pour l'engine, voilà le feu. Voilà, donc s'il y a un feu qui se déclare à bord, le fuel, donc si le réservoir est percé. Donc l'ICY, je sais pas ce que c'est. Voilà. Landing gear, je sais pas ce que c'est aussi. Non, c'est les trains d'atterrissage, je crois. Spoiler flap, overspeed aussi.
Vous risquez de l'entendre. Moi, je respecte jamais les vitesses sur les taxiways. Tac. Next. Beacon Light. Ça aussi, il y a tout un système aussi de lampes. Déjà en light, ça rigole pas du tout. Donc, Beacon Light. Check. Engine 2N1 sur on. Engine 1 and 2 sur check et APU sur off. En fait, l'APU, si vous voulez, c'est comme si c'était la batterie auxiliaire. On va la désactiver. Tac, next. Before taxi, donc l'ICE. ICE sur 7. Taxi Live et Nav Night. Donc Nav Light et Taxi Light, c'est nickel. Next. Donc Before Takeoff, donc avant le décollage, Strobe Light. Donc tac. Les Strobe Light. Check. Donc les flaps, donc les ailes sur les volets plutôt sur comment one plus if flaps. Tac, flaps contrôle, c'est bon. Contrôle cabine lights sur off. Ok, on est nickel. On va pouvoir close. Tac. Donc, on va aller dans ground system pushback. Donc, vous savez, pushback, je vais vous le montrer actuellement. Non, trop loin. Ouais, voilà. Ah, tout par an. Ah, mince. J'ai oublié les enlever en fait. Ah, d'accord. Ouais, voilà, donc pushback, c'est ça en fait. Comme ATF, vous avez aussi ça. Vous avez des informations en plus, le radar, la. Je sais pas ce que c'est ça, les contrôles, ouais. Là, c'est l'horizon artificiel. Pareil, là, vous avez le moteur, l'horizon artificiel et le radar. Tac. Et une carte. Après, nous avons l'attitude, la vitesse, le radar, voilà. Après, nous avons la carte en grand et c'est fini. Donc voilà. On a fait un peu le tour. Donc là, du coup, on va. Je vous remets, tac, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, dès que je suis en vidéo, mon truc il lag à mort. Et ça, du coup, ici c'est LFPO, du coup, ici. Ok. Près de Villeponte. Bonne question, où je suis? Alors, donc il faut que je tourne vers là-bas, ok. Ok. Ah bah là, j'ai dépassé, ok. Parking brake sur... désactivé, du coup. Mettre un peu de puissance. Donc on peut voir que dans le chat, il y a assez de rebondissements. Il y en a un qui a un feu sur les deux moteurs. Donc le mec est en train de paniquer à mort. Soit il fait un atterrissage forcé et il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Ou soit il fait un Alt F4. Il y a peu de chances qu'il s'en sorte. On va aller sur cette vue. Je trouve que ça lag moins. On va aller plus vite aussi. Là c'est tu as quelle version
Ça va aller plus vite. Ici, c'est stylé quand même. Hein. Pour faire des. Oh la vache, la vitesse. Bon, je lag un petit peu parce que je suis en train de record. C'est normal. En plus, vous entendez le bruit de la cabine qui bouge et tout. Trop réaliste. Alors, par contre, on va baisser un petit peu la vitesse. Pas mal à zéro du coup. 10. Allez, là par contre, je sais pas où je me dirige. Ah oui, 40, tu vas te calmer un petit peu. Parking brake sur on. Ok, donc là, je vais tourner, je vais mettre. Non, pas comme ça. Ouais, si, elle est comme ça. Alors, parking brake sur off. Aussi, ça m'entraîne un petit peu parce que dans. Allez, 4 jours, je fais un vol. Donc, comme ça m'entraîne un petit peu. Donc, désolé, il n'y aura pas de vlog sur ça. Mon avion est ok. D'accord, le mec qui fait sa petite pub vocale. Allez, on accélère. Je crois que je vais prendre la deuxième. Comme ça, je vais le longer au maximum. Allez. 16 peut-être. Peut-être qu'il va aller plus vite. Ah, c'est bien parce que la TH, dès qu'on n'y touche pas en fait, ah, il s'enlève. Ok. 9, 10, 11. Bah enfin. Ah, par contre, là, il faut tourner, hein, mon coco. Donc nous avons bah, l'altitude, la vitesse, l'horizon artificiel et le radar. J'essaierai de vous faire des plans aussi. Ah, bon bah salut. Mais qui va se crash, il aurait dû prendre l'autopilote. Ah non. Je sais pas pourquoi ça va au-dessus en fait. Donc bizarre aussi un mystère ça. Adieu. Ouais les mecs franchement. Aussi dans la communauté française, je sais pas si ça y est aussi dans d'autres communautés, mais nous on a un système de roleplay en fait. Il y en a un en fait dans je sais pas moi sur le chat qui fait la tour de contrôle. En fait, à chaque fois, on demande nos autorisations. Ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, genre. Ah, il y a une panne électrique maintenant. Ah, le mec, il lui arrive tout. Donc, genre, on lui demande. Bah, on marque dans le chat. Tour de contrôle ici. Ah mais non. Tour de contrôle ici, vol. Donc nous c'est EZ 634. Il est actuellement 18h11, donc il faut à chaque fois mettre une minute en plus, donc pour être sûr. Mais ouais, à chaque fois on fait ça. Et puis autorisation de décollage, nous attendons l'autorisation de décollage. Voilà. Après voilà, c'est du roleplay, mais c'est du réalisme, mais c'est fou quoi. Parce qu'on a l'impression d'y être. Aussi dès qu'on, bah voilà, on a la communauté française. Je sais pas si encore, j'ai encore vu les autres communautés, mais voilà, dès que quelqu'un demande de l'aide, genre. Genre comment démarrer l'avion, comment atterrir, comment activer un paramètre, ben, on lui explique et tout. Donc ça sur certains serveurs que ça manque, mais sinon c'est très réaliste. Et voilà, on va bientôt arriver à la piste 8R. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis la. Je vais voir vite fait.
Parking Break. Donc moi je sais qu'il faut sans regarder la checklist qu'il faut allumer la light flight. Donc on va voir before voilà landing flight et cabin lights. Landing lights, c'est une lampe en fait. Tac. Et en fait ça désactive le taxi light en fait. C'est soit ça ou donc, landing lights. Et voilà. Close. On va pouvoir décoller. Bon, je vais pas demander ce que ça va prendre 1000 ans. Tac. Et ah, voilà. Ce que vous entendez actuellement, c'est le parking brake qui n'est pas désactivé. Voilà. On est sur la piste. On décolle, non. Voilà, on a fait l'erreur une fois, on ne va pas la refaire. On dit jamais 203, mais bon. Vous avez toujours en bas à droite le plan de vol. Allez, décolle! Faites main. Allez! Oui! Mais non! Pas encore, pas encore! Positive rate. Nickel! Bon, j'espère que ça va pas se répercuter à l'avenir. Voilà. J'ai eu peur là. Ok. On va mettre direct le tac. Cela, c'était limite. Oula, pas contre. Voilà, on met speed 250, qui est la vitesse maximale à 2 au-dessus de 300, 3000, 3000 pieds. Je suis même au-dessus là. Voilà, ça on n'y touche pas. Peut-être qu'on va pouvoir augmenter, on va aller à 10 000 du coup. Donc voilà, 1000, 14 000 pieds, c'est super. Et on a juste à profiter du coup. C'est super. Donc là du coup nous avons le plan de vol, hein. Tout se passe bien. Ouais, OG. Opal 3G, Opal UT421, oui, du coup il tourne. KESAX, UT426, DIMAL, UT10, ALESO, ALES. Un H, donc du coup ils me disent que ouais le Opal OPAL 3G il est pas bon, donc bizarre pour alors j'ai pu décoller, bizarre, alors j'ai pu décoller tranquillement parce que sur mon plan de vol ils me disent quoi eux. Normalement, il va remettre les ailes droites, droite, ouais, droite. Versailles, Paris, c'est le nord de Paris, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc du coup, nous, on est là, on doit être là. On a là, oh, quelle sensation! Alors franchement, meilleur jeu, bon, voilà. Wow, franchement, c'est fou. Oh.
En plus, on a l'effet que le soleil là de lumière, c'est fou. Bon, les graphismes au sol, c'est autre chose. Mais bon. Bon, du coup, on se retrouve dans. Bah, tout de suite, du coup. On se retrouve tout de suite bah, pour l'atterrissage, du coup, de ce vol. Du coup, là, on va continuer de monter à 14 000 pieds et d'aller à. Ouais, on va augmenter la vitesse même. Allez, c'est parti. Non, ça, on ne doit pas y toucher. Allez, tac. Maximum. 350. Bon, c'est pas la vraie. C'est en. Comment? En KST. Donc, voilà. C'est pas les kilomètres. C'est en nœuds, voilà, si vous voulez. Donc, 350 nœuds. Ce qui est beaucoup. Un nœud, je crois que ça représente 100 km. Donc, faites le calcul. Donc, 100 multiplié par 350. Ce qui nous donne un total de 3000. 3000 et des poussières, j'ai pas envie de compter. Allez. Bon, on va passer. Je vais faire une coupure. On se retrouve à tout de suite pour l'atterrissage. Du coup, nous revoilà donc pour l'atterrissage. Donc, du coup, spoiler à Spoilers. deux. Ah bon, je vais contrôler moi-même au pire, ça ira plus vite. Flaps. Sur full, on va mettre. Flaps. Et gear. Gear down. Sur down. Alors, donc, le vol, c'est. J'ai eu des complications, mais. What? Pourquoi ça. Mais descend! Oula, bah oui, bah. Ah, ok. Ok, on est bon. On va s'aligner à la piste. Oula! Il y a du vent. Ouais, bon, il y a quelques. On va essayer d'atterrir. Non, baisse, baisse, baisse. Oula, un peu violent. On a réussi, c'est la première fois que je réussis. Non, pas sur armée. Sur 0, on va mettre tac. Tac, on va se diriger vers la porte du coup. Je dois aller où? 212. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud, on va essayer d'y aller. Ouais, ça va être là. Putain, on va vite là. Alors, je vais mettre la vue bottom. Ouais, voilà comme ça, pour bien m'aligner avec la piste.
peuvent aller un peu plus vite, hein. C'est là où on y est encore demain. Ah là là, on va être bon. Ok, nickel. On va décharger tous les pilotes, hein, tous les pilotes, tous les passagers. Donc checklist, after landing, flaps, bon, ça on l'a fait. Tac tac tac. Ouais, APU sur on. Du coup. Donc APU sur on. Tac. Puis un HUD aussi si vous voulez être bien aligné à la piste et tout. Ice sur off. Go. Next. Taxi shutdown. Donc taxi brake sur on. Donc je l'ai fait. Taxi signate. Passager. Donc dans loud. On va décharger tout ça du coup. Donc 69, ouais. C'est nickel. Et le cargo, c'est nickel aussi. Tac. 0, 0 et 0. On va les détacher. Non, la rampe, je la gardais attachée. Ça fait plus stylé. Voilà. Donc là, c'est nous notre plan de vol. Donc non, le rapport de vol. Donc de LFPG à EGLL. Moi, bon, c'était bien du coup. Take off life, ouais, final approche, ouais. Continuer. Parce qu'on n'a pas encore fini, tac, tac. Ok. Donc, engine. One et two, c'est bon, ils sont désactivés. Un nav light, c'est tout bon. Become light, c'est bon aussi. Et après flight, bah nickel, c'est bon. Ah, moi, je vais clear. Alors, bah, c'est bon, on a terminé le vol. Donc, tout s'est bien passé, du coup. Alors. Voilà, on a terminé du coup. Donc cette vidéo peut bah cette vidéo peut aider certaines personnes à débuter le jeu. Donc RFS alias Rail Flight Simulator est un jeu de simulateur réaliste d'aviation. Voilà, donc vous pouvez, si vous êtes débutant et vous aimez les avions, l'aéronautique et tout, je vous le conseille. Mais pour, je crois qu'il est à 0,99 centimes, je crois,
sur Play Store et sur Apple, je me suis pas encore renseigné. Mais franchement, il est pas cher pour ce que c'est, mais vous avez un abonnement, donc c'est ça. Ils auraient dû mettre plus de trucs, en fait, moi je dis. Genre plus d'avions, plus de trucs. Genre, parce que pour 1 euro, genre les pilotes, ils auraient dû le mettre gratuit. Ou alors pour un skin, il aurait dû le mettre. Voilà. Après, pour... je sais pas moi. Quelques avions en plus, au lieu de mettre qu'un onglet voler maintenant, ils auraient dû mettre vol en temps réel aussi, ou multijoueur. Bon, multijoueur, je comprends que ça pourrait être pro, mais quand même, il faut pas trop abuser non plus. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Je verrai pour en faire une autre, donc un autre vol, genre de LFP ou LFPG à LFMN, à voir. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres lives, d'autres vlogs. Vous pouvez mettre un commentaire, un like, vous abonner et partager. Et à la prochaine. Bye!